Salut, salut, salut. Bonsoir et bienvenue. Ici, c'est la reine Jocelyne et je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez utiliser vos talents pour devenir riche. Ok. Vous me donnez une minute, je vais chercher de l'eau à boire. Salut, oh, salut, oh. Patientez un peu, je vais chercher de l'eau à boire. Voilà. Bonsoir, comment était votre journée? Bonsoir, Sidonie. On vous trouvait mes boucles d'oreilles. Ok. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Bonsoir et bienvenue. Si vous arrivez, dites-moi un bonsoir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent en replay. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enseigner rapidement. Ok. Est-ce que vous savez qu'en tant que roi et reine, en tant que choisi, vous ne devez pas souffrir normalement? Vous n'êtes pas censé souffrir. Bonsoir Kamal, bonsoir Kajiro. Comment est-ce que vous allez ce soir? Je vais vous chauffer un peu là. Shalom Linda, la reine Linda, bonsoir. Vous n'êtes pas censé galérer. Si vous galérez, il y a sûrement des choses que vous ne maîtrisez pas. Bonsoir la reine Dinga. Bonsoir la reine Pongo. Bonsoir la reine Nago. Trop de love pour vous. Vous faites encore le love, les cœurs. Vous faites les cœurs. Okay. On le disait encore, j'en parlais dans la prière de 18h. Et là, j'expliquais. C'est tout. C'est un tout. Vous devez d'abord mettre la droiture. Arrêtez de mentir. Vous devez aussi apprendre les principes financiers, spirituels. Et vous devez aussi savoir ce que vous devez faire de vos idées. Comment est-ce que Dieu va manifester mes talents dans moi là? Bonsoir le roi Christophe. Bonsoir la reine le bébé. Bonsoir. Sido. Est-ce que tu es un homme ou tu es une femme? Je vais t'appeler Queen. Queen. La reine Jepan, bonsoir. Faites-moi le plaisir, s'il vous plaît, de partager la vidéo. De partage seulement. Ah, mais non, non, non.
Beaucoup de rois et reines souffrent là-dehors. Soit vous êtes dans les relations où on vous force seulement pour que vous restiez. Bonsoir Solane. On vous force, les gens vous forcent pour que vous couchiez avec eux. Ouais. Là, on est à 6 partages. Bonsoir Théo, tu es à l'heure aujourd'hui, c'est super. Bonsoir la reine Christelle. Le roi Théo, comment tu vas? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Par votre naissance, de la maison d'où vous sortez, votre père et votre mère, ils vous ont habitué à la pauvreté. Ils vous ont habitué. Combien d'entre vous avez des parents qui vivent de leur talent? Merci pour le compliment, le roi Théo. Combien d'entre vous peuvent dire, mon père connaissait ce que c'est qu'un talent, mon père vivait de ses talents, mon père était ou est un roi? Très peu. Donc, si nos parents n'ont pas eu un héritage énorme à nous donner, et l'héritage, ce n'est pas seulement l'argent. Bonsoir la reine Karel Mann. L'héritage spirituel vient avec l'argent. Ça vient avec la paix. Ça vient avec le bonheur dans le foyer. Ça vient avec le service. Les gens te reconnaissent. Waouh, merci pour ce que tu fais pour moi. Bonsoir la reine Wina. Parce que parfois les gens se limitent seulement à l'argent. Tu arrêtes, tu arrives, tu as l'argent, tu vois que, mais attends, c'est comme si ce n'est pas tout. Oui, ce n'est pas seulement l'argent. Le roi Lionel, bonsoir. Et beaucoup d'entre vous, il y a eu des étapes de votre vie où il y a des moments où j'étais dans la fornication. Après, je suis sorti un peu. Après, moi, je payais ma dîme. Après, bon, j'ai arrêté de payer ma dîme. Après, il y a des moments où je donnais dans les orphelinats. Après, j'ai arrêté. Je veux que vous puissiez coller tout ça. Coller ça comme les 5 doigts de votre main. Vous mettez ensemble. C'est ça qui va donner. Si quelqu'un te donne un coup de poing, il a 4 doigts seulement. Ça ne sera pas aussi fort que s'il mettait le doigt ci-dessus. S'il a 3 doigts seulement, il fait ça, il te cogne avec ça. Ça va pas donner. Beaucoup de rois et de reines souffrent. Et je vous dis encore. J'ai causé avec une reine aujourd'hui. Les rois et les reines qui croyaient que voilà, tu dois me consulter gratuitement, tu dois me faire, ouais, quand tu dis, oh. Peut-être dans ta famille, là, il y a cela 3 générations. Quand on est parti pour handicaper tes parents, la personne a déposé sur la table même 200 000 francs CFA. Peut-être 1 million. Que je viens bloquer l'enfant, petit enfant, arrêt petit-fils, arrêt petit-fils. Toi, tu te lèves et tu dis, je veux sortir de là. Tu viens avec 5000 francs. Voilà, j'ai 5000. Tu ne peux pas faire la réduction. Bonsoir le roi Kanguin. Bonsoir la reine Charlotte. Bonsoir le roi Franco. Bienvenue. Le premier truc que l'ennemi fait sur... Le premier dommage, damage. Damage, en français, c'est quoi? Damage. Le premier truc. I can't speak in English, you know. C'est d'abord qu'il ferme ta vision. Tu te vois petit. Il diminue ta façon de voir l'argent qui vient à toi. Il diminue la façon dont tu vois ton futur. Ouais, voilà, je vais finir ici. Ils vont me donner les papiers même dans 25 ans. Quand j'aurai les papiers, je vais devenir petite infirmière dans un petit hôpital. Après, je vais prendre ma retraite. Quand j'aurai 55 ans, bien, je ne sais pas. Après, je vais vivre 3, je ne sais pas, 10 ans, je vais mourir. Voilà comment il casse ta vision. Oui, ma mère est morte quand elle avait 55 ans, non. Mon père est mort à 45 ans. Et c'est dans ta tête, ça trotte. L'ennemi est très subtil, hein.
C'est pour ça que vous voyez, quand on enseigne, je veux retirer d'abord les croyances que vous avez par rapport à vous-même. Bonsoir, Tegui Meko, roi ou reine. Bonsoir, la reine Gando. J'ai deux sortes de publics. J'ai ceux qui m'écoutent. Quand ils m'écoutent comme ça, là, les méga qui mettent dans la journée, là, c'est leur dernier argent. Mais ils savent qu'ils sont choisis, ils sont élus. Il y a ceux qui m'écoutent. L'argent n'est pas un problème pour eux. L'argent, c'est pas un problème pour eux. Bonsoir, Oman. Bonsoir, la reine Paola. Le diable va faire que tu ne vois pas tes propres talents. Quand tu vas arriver dans un pays, il va te dire, tout le monde s'en sort ici seulement en faisant ça. Donc ne crois pas que tu peux faire quelque chose d'autre. Il va bloquer ta vision. Il va tuer tes rêves. Il va t'envoyer des Decepticons. Tu vas sortir avec un homme comme ça là. Hey, mais tu crois que quoi, il va prendre tes rêves. Il va prendre ton argent même. Tu as économisé peut-être tes 20 000 dollars. Tu cherches, tu vas lancer un business avec. Tu rencontres un Decepticon. Il prend tout ça, il part avec. Bonsoir Tracy Royal, bonsoir Amandine Kodia, la reine Amandine et la reine Tracy. Vous avez partagé ma vidéo. Que va faire que tu ne vois pas? Et on ne peut pas arriver là où on n'a pas vu. On ne peut pas arriver là où on n'a pas vu. Je ne peux arriver à une destination que je n'ai vue. Je ne peux arriver à une destination que je n'ai vue. Je peux être la fille la plus talentueuse, je coiffe les cheveux, je coiffe comme une déesse. Mais les clients ne peuvent pas me payer parce que moi, je ne pense pas que mon talent de coiffure là vaut quelque chose. Bonsoir la reine Marie-Claire. Certains amis, vous vous préparez, quand tu prépares le héros, mince, le tarot, on mange ça comme ça jusqu'à. Dès qu'on te dit que ouais, est-ce que tu sais que tu peux me vendre ça? Est-ce que tu peux apprendre aux gens à préparer le tarot? Hein? Maman, le petit tarot, c'est que moi, il fait. C'est mon arrière-grand-mère qui m'avait appris à faire ça. Voilà comment le diable te bloque. Il cache ta vision. Un jour, tu tombes sur Facebook, tu vois une femme, même une blanche, qui montre aux gens comment préparer le tarot. Tu ne connais même pas bien fait. Après, tu vois, elle a 50 000 vues. Hé, elle ne connaît pas bien fait le tarot. Combien de fois avez-vous vu des gens dont vous êtes, qui sont moins talentueux que vous? Mais ils utilisent le petit talent qu'ils connaissent là, le petit. Et le petit talent là, c'est ça que les gens aiment. Vous, vous êtes là, vous pouvez faire ça même 50 fois mieux que la personne. Mais vous allez mourir dans la pauvreté. Merci la reine Esther Nyaga. Merci le roi Théo. La reine Amélia, bonsoir. Dieu ne fait pas la discrimination. Comme il t'a mis là, il s'assurait que quand tu partais au village chez ta grand-mère, ou chez ton arrière-grand-mère, tu voyais comment elle faisait, elle brûlait la banane cochon là, elle brûle après, tout nous comme ça dans l'huile rouge, elle met le sel, elle met le piment. Tu manges comme ça, grand-mère, c'est bon jusqu'à. Ouvre le restaurant, tu fais ça là-bas aux États-Unis, tu vas voir les gens où ils mangent. Bonsoir le roi Étienne. Bienvenue à l'école des choisis. Je vais changer, je vais mettre école des choisis. J'aime pas. Quand j'étais en Europe une fois, j'ai pensé ouvrir un restaurant où je fais les nourritures du village là. Tu arrives comme ça là, on a mis le plantain mis sur les braises avec la prune. On te fait le macabo comme ça là, avec l'huile rouge. Les gens vont venir acheter. Vous simplifiez trop les choses. Sandrine Dominique, la reine Sandrine, bonsoir. Le roi Lédia ou la reine Lédia. Lédia Lise, la reine Lédia, bonsoir. Arrêtez de simplifier ce que Dieu vous a donné. La reine Sylvie, bonsoir. Tu dis delivery. 20 euros le plat. Plantain, mu prune. Avec un petit macabo à côté avec l'huile rouge. Tu prends l'huile du village là. L'huile là qu'on a extrait. Qu'on sait ce qu'il y a encore les fibres de parmi c'est dedans. Aïe. Le goût de ça. C'est ta part là-bas que Dieu a donné.
Les termites, pourquoi c'est termites du village là? Je suis en train de donner des idées de business aux gens et. Hey! Ouais, les termites, non. Les chenilles qui sont sous le palmier là. Les escargots. Reine de Badjoun, ainsi le roi Tanku. Ainsi pour le partage. C'est parce que vous simplifiez tout ce que Dieu vous a donné. Un talent, ce n'est pas ce que tu as appris à l'école. Tu parles à l'école pour perfectionner ton talent. Mais le meilleur moyen de perfectionner ton talent, c'est par la pratique. Pratique. Tu peux même faire ton restaurant où tu prépares les plats, on appelle ça Hogwart. Les plats qui sont bizarres, comme le concha. C'est rare de voir les restaurants où on fait le concha, non. Le concha, c'est bizarre, mais quand on te fait le bon concha, tu vas manger ça comme ça, tu vas. Oui! Tu vas. Tu vas. Hey! Tu vas l'huile comme ça là sur le plat. Bonsoir Charlotte. Je croyais t'avoir salué au départ. Bonsoir la reine Charlotte. Ne simplifiez pas les choses que Dieu vous a données. T'as les petits goûts de nourriture comme ça là. Je ne sais pas comment vous faites partie de la nourriture aujourd'hui. Il y a une nourriture qu'à Paris, tu ne peux pas trouver. Tu vas voir le héros, tu vas voir le couscous gombo, tu vas voir ceci. Mais il y a les rares nourritures. Je suis allée un jour sur une femme ici, là. On a mangé le tarot avec un truc là. Elle a dit que cette nourriture-là, c'est seulement au village qu'on fait ça. Maman, il y a le piment dedans. Il y avait le piment sur ça. Et c'était bon. Oh. Un talent, hein. C'est quelque chose qui est dans toi, ça t'appelle. Que tu fais pour le plaisir généralement. Quand tu fais ça aux gens, on te dit waouh. Peut-être c'est la motivation de coaching. Tu aimes coacher les gens. Moi, avant que je devienne coach, j'avais fini avec le coaching. Je vois que quand je veux l'encourager, je veux le motiver. Je veux le. Bonsoir, Grâce Meillon. Bonsoir, j'ai dit que je veux tout que nous on fait comme ça là. Tu sais, tu peux. Dans ton magasin, tu peux mettre ici. Mets ça ici, fais comme ça là, non. J'aimais conseiller les gens. J'aimais conseiller les gens. Que déjà, même sans connaître, sans avoir lu les livres, je conseillais les gens bien. Mais t'avais pas dans la Bible, livre, conférence, tout ça, la formation. Je prends encore, je viens, je donne. Les rois et les reines ont des talents en eux. Ça peut être la coiffure, hein. Tu vois un homme, quand tu touches la tondeuse, tu mets ça sur la tête de quelqu'un. On croit que tu coiffes depuis 20 ans. Et toi, tu te dis, si je coiffe, je ne vais pas coiffer, pourquoi me donner 500 euros, 5 euros, 5 euros, 10 euros, c'est quoi? J'ai connu un Congolais là en Belgique. Il m'avait raconté comment il avait commencé son business. Il avait commencé par hasard, il avait étudié plomberie. Bonsoir Tatiana, comment tu vas? Il avait commencé plomberie, un truc comme ça là. Quand il a fini sa plomberie là, il n'a pas trouvé de travail. Un jour il arrive, il coiffe 2-3 personnes. Il coiffe, on lui donne 10 euros. Il dit, hey, l'affaire là. Il a demandé donc à certains de ses amis de lui prêter de l'argent. Que quand vous me prêtez 150 euros là, je vais acheter mon matériel avec, je vais coiffer. Et je vais vous coiffer gratuitement pendant un an. Ils ont dit, ok, pas de souci. Bonsoir Madeleine Blanche, bonsoir la reine Carole, bonsoir la reine Madeleine, bonsoir la reine Sandrine Dominique. Ouais. Voilà, il a commencé à coiffer. Aujourd'hui, que vous dites là, les footballeurs professionnels appellent chez eux, ils viennent les coiffer, 75 euros, 100 euros. Il a son salon qu'il a ouvert là-bas. Ce n'est pas à Paris. Hein. Tête de coiffure, 18 euros. Alors qu'il y a d'autres endroits où on coiffe à 10 euros. Je vais très bien, la reine Tatiana. Parce que vous ne faites pas confiance à ce que Dieu vous a donné. Vous pouvez faire le restaurant du tarot. Vous me comprenez? Le tarot se mange, je mange avec les légumes. Ça se mange avec les aubergines. Ça se mange avec le pistache. Donc vous faites des variétés. Vous pouvez faire le buffet du tarot. Avec la sauce noire, la sauce jaune.
Ouais, je commence à mettre, j'ai même la loi à la bouche. Ah, c'est seulement le tarot, non? On fait quoi avec? Arrêtez de négliger ce que vous avez. Peut-être que tu fais juste bien la banane malaxée. Quand tu fais ta banane malaxée, wow, tu peux voler au mari de quelqu'un avec ça. Restaurant banane malaxée. Je suis qu'il y a des gens qui viennent manger là-bas tous les jours. Bonsoir la reine Bemba. Bonsoir la reine Zega. Bonsoir la reine Gao. Certains parmi vous, vous êtes dans des pays là-bas, vous êtes au Kazakhstan, en train de travailler dans des endroits. Alors que la cuisine, c'est votre don. Vous avez laissé la cuisine, vous n'avez pas fait ça au pays. La reine Magne, bonsoir. Même au pays, hein, les gens cherchent la bonne nourriture. Parce qu'un roi n'est pas appelé à faire le average. Genre, tu peux faire ta chose, c'est comme pour tout le monde. Non, ce n'est pas. Ce que tu n'es pas roi là, pour jeune. Bonsoir, la reine Flore. Toi, tu dis que nous, quand elle veut faire ma part, ce sera spécial. Quand elle veut faire ma part, quand on va venir. Tu vas mettre les boules de couscous. Tu vas mettre les boules de couscous comme la glace sur le truc. Deux boules de couscous. Tu mets la sauce, tu tournes comme ça autour du plat. Ça fait des traits rouges comme ça. Il y en a parmi vous, vous êtes allé à l'école, vous avez appris à faire la cuisine européenne. Mélangez la cuisine européenne, vous mettez avec la cuisine africaine. Vous nous émerveillez. Bonsoir la reine Alexia. Bonsoir Nadège. La reine Kochap. Bonsoir. Certains parmi vous, c'est la décoration ou bien l'organisation. Vous avez organisé même 50 mariages. Et quand vous organisez, ça donne net, net. Et on vient toujours vers vous pour ça. Ton talent, pour connaître ton talent, c'est quelque chose que quand tu fais, premièrement, les gens aiment jusqu'à... Maman, couscous aux choses, jaune légumes. Yeah. Ah, il y a un endroit, c'est là où on fait ça le vendredi. Demain, je vais manger ça. Tu connais. Christelle, tu connais. Deuxième chose, les gens viennent toujours vers vous pour ça. Genre, je sais que tu n'es pas coach, mais tu sais, quand tu me coaches, quand tu me conseilles, j'aime beaucoup. Je vais faire comment mon mari. Je fais comment pour mon entreprise. Mamie, il y a le coaching dans toi. Le coaching est dans toi. Mais tu fuis. Bonsoir le roi John Lokela. Je vais très bien, merci. Et toi? Bonsoir. Queen Kone. Il y en a même parmi vous, vous filmez très bien. Donc tu, quand tu pas, moi là j'ai ça. J'ai des services, j'ai un service que j'appelle photothérapie. Je guéris les gens par la photo. Je te prends et tu es timide n'importe comment. Mets-toi devant, je suis derrière la caméra et tu filmes. Après 2 heures de temps, tu seras changé, tu seras transformé. Tu seras différent. Tu seras différent. Maintenant, quand vous avez votre talent, vous l'avez identifié. Justement, vos talents. Les gens, en fait, ils aiment quand on leur dit que c'est loin. Tu sais, tu as besoin de faire 7 ans avant de découvrir ton talent. Tu vas venir jeûner pendant 2 ans sur la montagne ici. Après, tu vas partir, tu vas faire... Non, arrêtez sous ça, arrêtez. Moi, je vous ai dit que je vous raccourcis les choses. Je vous simplifie la vie. J'ai une de mes filles l'année passée. Elle était à l'école de France. Elle étudiait la cuisine française. Mais en même temps, elle a grandi avec sa grand-mère. Donc, elle avait beaucoup de repas que sa grand-mère lui montait tout le temps. Elle était du Congo. Donc, on a fait un atelier en janvier 2020, l'année passée. Et je leur avais dit, dans cet atelier-ci, là, je vous donne 7 jours pour transformer vos talents en revenus. Elle s'est donné ça comme challenge. Là-dedans, je parlais, bien sûr, c'est un processus. Vous devez avoir découvert votre talent. Croire que c'est possible que quelqu'un vous paye pour ce talent. Parce que généralement, vous ne pouvez pas te donner ça gratuitement aux gens.
Tu peux préparer chez ton dessert tingon là. Tu peux lui faire le couscous au gombo là. Tu peux lui faire ça, il mange bien même. Il ne te donne pas l'argent. Après, tu couches, il couche même pas avec toi, il met au-dessus. Donc, elle te dit que tu peux faire le couscous au gombo, ça devient ton talent là-bas, parce que les gens viennent, ils achètent, ça te rend riche. Tu commences à dire que non. Parce que ton dessert tingon là, quand il voyait ça, il simplifiait. Bonsoir le roi Yetedje, bonsoir le roi Abdul, bonsoir la reine Aleman. Est-ce que vous pouvez partager ma vidéo s'il vous plaît? Vous me laissez un pouce comme ça. On a fait l'atelier deux jours. Elle a décidé que je lance ma page dans trois jours là. Elle a lancé. Elle te sort des repas qu'elle a mélangé les tout congolais avec les tout français. Et les gens là, et en fait, pour détecter son talent, elle s'est rendue compte que on l'appelait beaucoup quand il y avait les événements. Je n'ai que 61 partages. Partagez ma vidéo. Seulement 32 likes. Likez ma vidéo, non? C'est comment avez-vous? Likez ma vidéo. Merci pour les cœurs. Voilà, deux personnes ont liké. Je vous fais les cœurs aussi. Hey, j'aime danser. Tché. Voilà, j'ai 6 likes en plus. Mais voilà, c'est comme ça. Vous venez, ne venez pas vous mettre seulement comme ça, vous ne faites rien sur la vidéo, non. Quelle est la chose que les gens apprécient beaucoup chez vous? Tout le temps, te dit que mais vraiment, waouh. Tu laves bien le sol. Chaque fois que quand ta soeur veut laver toute ta maison, elle t'invite chez elle. Elle sait que tu vas venir. Tu vas laver partout. Fabrice Barbeau. Bienvenue Fabrice, le roi Fabrice. Les reflets ronds blancs dans tes yeux peuvent percer tous les secrets. C'est mon real light que j'ai mis ici, le roi. Le roi Barbeau. Oh my God. Je me suis en bac. Tu es arrivé chez elle, tu nettoies. Tu as le don. Il y a une dame qui s'appelle Marie Kondo. Depuis qu'elle est toute petite, elle aimait toujours nettoyer. Elle a écrit un livre qui s'appelle Spark Joy. Spark Joy en anglais. En français, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et elle montre comment, à travers le rangement, tu peux te retrouver. Tu ranges ta maison, tu trouves ta mission de vie. Et quand elle grandissait, elle était tout passionnée par le rangement. Quand la maison, ses frères, elle voulait faire dans les armoires, elle dit, ok, mettez les cuillères ici, mettez les journaux là-bas, mettez le papier hygiénique là-bas. Elle met toujours ranger. Elle a développé ce talent. Aujourd'hui, les gens la payent. Elle prend l'avion, elle pose aux États-Unis. Elle coach seulement 3 heures de temps, 6 heures de temps. Elle sort, elle rentre, elle prend encore l'avion, elle rentre dans son pays. Elle n'a pas simplifié son talent. Un roi, une reine, est censé être un trailblazer. Trailblazer, c'est quelqu'un qui va... Tu vois, quand tu vois le... Quand, voilà. J'aime la neige. Quand tu vois la neige le matin, là, quand tu ouvres le matin ta porte, là, et personne n'est encore passé dans la neige. Tu vois seulement 2-3 oiseaux qui ont un peu marché, là. La première personne à marcher dans la neige montre la direction. C'est ce qu'on appelle trailblazer. Celui qui... établi, tu mets la direction pour la route pour la première fois. Tu vois un champ comme ça, là, tu viens avec le camion. Tu creuses. Tu es le trailblazer. Tabat de la Luna. Bonsoir. Vous avez les noms sur Facebook. Hein? Dans ton acte de naissance, on a mis tabat. Bonsoir. Votre talent, surtout celui qui va porter, qui va vous élever, qui va vous amener dans les sommets. C'est quelque chose que généralement on n'a pas encore entendu. Attends, quand je suis arrivée au Cameroun, j'ai commencé à faire le coaching pour les enfants. Incuber les talents des enfants. Au départ, les gens disaient que, mais c'est quoi ça? Mais quand ils ont commencé à saisir, souvent ils viennent et disent que ouais, si tu avais trouvé depuis. Par exemple, il faut que plus de personnes sachent ce que tu fais. Il le faut. Bonsoir, la reine Nessie.
votre talent, quand vous allez l'utiliser, ça va aider les gens. Il y a des gens dans votre pays que ça fait même 10 ans qu'ils n'ont pas mangé le couscous cuit. 10 ans. Ils sont dans des buildings, dans des villas là-bas, dans les mansions. Mais ça, le cuit là leur manque souvent. Tu décides de lancer, le planter mûr, prune, brûler au feu, ça leur manque. Souvent, ils disent que ouais, après ils passent. Tu lances ton business. Cuisine africaine camerounaise. On vous livre chez vous. Le soir, il est à la maison comme ça là. Il a les invités. Il dit, on va manger du macabo grillé avec de l'huile rouge et du sel. Ring. Yeah, can I place an order, please? Yeah. 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 Can you make it for 20 people, please? All right. All right. $5,000? Okay. Take the payment now. Arrêtez d'imiter les gens. Arrêtez de copier les gens. Quand moi j'arrive quelque part, en fait, les gens font, tout le monde fait quelque chose. Pour moi, ça c'est la chose à ne pas faire. Like, I'm like, I don't want to do that, you know, I don't want to do that. I don't want to do that. Donc quand je suis arrivé au Cameroun, vous savez que quand les gens sont au Cameroun, ils disent, oh, il n'y a pas l'argent. Quand moi j'étais en Europe, je me disais toujours que, quand il va arriver au Cameroun, est-ce qu'il va passer mon temps à demander l'argent au téléphone aussi? Je veux aussi venir voir. Mais ici, la reine Alemane. Carole de New. J'arrive au pays. Je vois que les gens dorment. Je reste souvent comme ça dans un quartier. Je suis arrivée, je vais à Bédamoussadi. Le dimanche, je cherchais la nourriture pour manger. Je ne trouvais pas. Parce que je prêchais le matin. Au lieu, je me vais à 6 heures, je prépare mon sermon, tout ça. Au lieu de me mettre là à préparer, tout ça, non, pardon. C'est pas pour rien que Dieu a mis les professions. Restaurant, restaurateur va travailler là-bas. Prédicatrice va prêcher. Je reste souvent les dimanches, je cherche la nourriture. Il n'y a que le tarot ici à Douala, c'est comment? Tu vois une jeune fille, tu lui dis, il te faut quoi pour commencer? Il me faut seulement 50 000. Pourquoi tu ne commences pas? Tu vois le téléphone qui a dans sa main, c'est 150 000. Vends ton téléphone, tu peux commencer le business. Et quelque part, c'est bon, hein? Ouais, tata, est-ce que tu peux me donner même... Ouais, tu as même pas 5 000 pour moi, là, tata. Vous seriez surpris de savoir le nombre de business que vous pouvez faire en Europe sans avoir les papiers. Je vous dis, le nombre de business... En Angleterre, à une époque, il y avait des gens comme ça. Ils sont arrivés. Bonsoir, le roi Guy. Siwe. Ils arrivent comme ça, là. Pas de papier. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Cette dame en particulier, elle préparait chez elle. Elle faisait le tarot. C'était son mari qui pilait le tarot. Et c'est elle qui servait. Ils ont payé le loyer. Ils sont occupés de leurs enfants et payé l'école des enfants tout pendant des années. Quand ils ont peut-être fait même 9 ans avant qu'on a donné le papier. Tu crois, Brian, 9 ans là, ils avaient fait comment? Et aussi même, le pouvoir d'achat des douanes en Europe est en train d'augmenter. Il y a cela 10 ans en Europe, beaucoup de douanes n'avaient pas les papiers. Donc ils ne pouvaient pas se permettre d'acheter des choses. 10 ans plus tard, ils ont, mais beaucoup d'entre eux les papiers, le boulot. Donc ils ont l'argent. Capsi, il y a l'argent. Il y a l'argent. Bonsoir la reine Béatrice. Il y a l'argent. Il y a même les marchés qui font le... ils ont les marchés qui font là-bas en France. Il y a les, parfois c'est les jeudis, parfois c'est les mardis dans certains quartiers. Pas un peu t'asseoir, tu vois ce que les gens qui vendent des produits africains, là, combien ils vendent. Touche un peu 4 doigts de plantain comme ça, là, 3 euros. Tu prends le plus de tes courses, 40 euros. Et vous aimez consommer. Un roi n'est pas seulement consommateur. Et encore notre business. Aujourd'hui, je vais intituler direct là, les business, idées business.
Il y a certains célibataires en Europe. Leur femme est au pays. Et il ne veut pas lui tromper sa femme. Il ne veut pas prendre une femme qui est venue le déranger. Et il ne veut pas lui non plus aller au restaurant. Préparez pour eux. Vous vendez. Livraison tous les samedis soirs. Tu lui mets les baquettes de nourriture comme ça dans le frigo. Et ils vont donner l'argent. Hein? Il y a les hommes là-bas qui travaillent. Ce n'est pas l'argent qui lui manque. Il y a les anciens groupes que souvent il faut ça. Tu veux seulement tourner tes fesses devant lui. Tu tournes les fesses quoi? Bonsoir Tchapi, la reine Tchapi ou le roi Tchapi. Oui, beaucoup, oui Charlotte, beaucoup font le business en papier. Bonsoir la reine Tchekwatu, comment tu vas? Bonsoir Erika, tu es en retard. Erika, tu es en retard. Tu as le nom de ma petite soeur, tu es en retard. Je vais te taper Erika. Mince, yes. Je suis belle. Dieu a fait du bon travail quand il me criait. Franchement. Le talent des rois, en fait, c'est de voir, de lire entre les lignes. On dit Corona, Corona. Ils se disent oh oh. Delivery service. Les gens sont à la maison, ils auront besoin qu'on leur livre les choses à la maison. Que vos problèmes soient des opportunités. Même à Douala ici, hein. Si vous avez vos frères et soeurs à Douala qui vous demandent l'argent, là, arrêtez-leur d'envoyer l'argent. Hein. Ils sont paresseux. Il y a trop d'argent à Douala. Prends l'eau de 50-50. Dépose devant ta maison. Vends le foléré. Douala bouge beaucoup. Je vais très bien, la reine, ma jolie. Même les caramels. Paye ta connexion 100 francs. Tu pars, tu vois comment on fait les caramels. Tu viens, tu fais, tu emballes dans les plastiques, tu déposes là-devant, les gens vont acheter. Ma soeur Feuillot, tu es beau, hein? C'est bien pour toi. Ouais, merci pour les compliments. Bonsoir la reine Tenandio. Je vends les chapeaux comme ça. Je vends. Ma boutique sera bientôt prête, mais vous pouvez commander maintenant. Hein. J'ai des gens qui ont réservé en avance. Et ça avait l'élastique derrière, donc ça ne te... Regarde, tu vois. Bon, ça ne vient pas avec les courriers. Les courriers, c'est moi qui les ai mis. Moi-même. Tout ce que moi, ce que j'ai fait, ça doit être tout spécial. Un roi a la capacité, une reine. Tu arrives quelque part. Et... Ah, ah, Fautrice, je suis intéressée, tu m'écris une box, tu veux le prix comment? Tu t'es dit 20 000 peut-être, tu vois, on a dit, wow, je n'aime pas les gens qui demandent toujours les prix. Non, tu veux le prix, tu m'écris une box. Tu as compris ma chérie? On pourra vous poster ça, vous allez recevoir ça chez vous. L'une des capacités de choisir aussi, c'est de pouvoir s'adapter à n'importe quelle atmosphère. Et ça, Karine. Tu vois le coquet des arachides. Ouais, le coquet va te rendre jaune comme moi. Ok. Le choisir arrive dans un pays comme ça. Pour le Canada, je vais finaliser avec DHL lundi. Donc, je vous dirai. Mais je pourrais poster parce que c'est avec DHL, donc ce sera partout dans le monde. Et ils ne vont pas me donner les prix de 30 000 et tout ça là. Non, c'est pas ça. J'ai ouvert un compte business chez eux.
Donc, je suis en train de finaliser avec eux. Demain, normalement, ils doivent me dire. Donc, on m'a dit au plus tard lundi. OK? Donc, j'essaie d'avoir des bons prix comme ça. Je peux faire les trucs et je poste. Ah, tu veux le jarcy, hein? OK. Moi, mes choses, je les personnalise toujours. Donc, vous pourrez aussi acheter beaucoup les... Certains d'entre vous, vous pouvez aussi acheter les cours ici. Je vous les envoie. Comme ça, là-bas, vous pouvez mettre sur vos choses. On vous les envoie en bleu, comme ça. Là. Ouais, non. Vous mettez ça sur vos choses. J'ai acheté le chapeau, il n'avait pas ça. Donc, j'en ai mis dessus. Ils sont aussi très, ils ont très bien cousu ça. Ok, bon. À tout à l'heure. Ok, continuons. Bonsoir, Denis. Je disais qu'un roi peut arriver quelque part. Il observe. Il observe. Il apprend à se faire de l'argent avec l'environnement qu'il a vu. Je suis dans un pays où les gens aiment beaucoup manger le riz cantonné. Je ne connaissais pas le riz cantonné au pays. Je vais aller payer quelqu'un. Je lui donne même 20 euros. Il me montre comment on fait le riz cantonné de leur pays. Une semaine plus tard, tu me vois en train de vendre le riz cantonné. Et si vous n'avez pas encore commencé à faire ce que j'ai dit là, c'est dans vous. Parce que je voulais justement vous dire ça. Beaucoup de rois et de reines, vos dons ne sont pas encore activés. Donc vous êtes là comme ça, là, vous ne savez pas que... Il y a un businessman qui sommeille en vous, un tycoon que déjà que mince, on peut pas te tenter. Mais toi, tu es seulement là chaque jour, tu travailles 8 patrons, 8 patrons, 8 patrons. Comment est-ce que moi j'ai découvert que j'avais le sang du business? Heureusement, j'ai découvert tôt. Je sortais avec le père de ma fille. On a eu ma fille. C'est pour ça que c'est le père de ma fille. Et j'ai eu ma fille à 22 ans. Bonsoir la reine Rose. Et dès qu'on l'a eu, j'étais une femme au foyer. Ok, j'étais à la maison, je foutais rien. Je m'occupais de l'enfant, je faisais l'amour. Vous savez. Donc, mais par contre, lui, il avait des ambitions. Il me dépassait d'un an, donc il avait 20. Quand elle est née, il avait 23 ans. Il faisait que dit tout le temps, ouais, tu sais quoi, on peut, on va faire tel business, on va faire. Donc quand on a eu l'enfant, il dit, maximum dans un an, il faut qu'on commence à faire des conteneurs. Le voilà, alors, moi, je n'y connaissais que dalle. Et quoi qu'il blaguait, un jour, il me dit, j'ai loué le local. Bonsoir, Vénus, bonsoir. Bonsoir, pour nouveau. Bonsoir, Rose. Il loue. Il dit, comment on a loué l'espace là, on n'a plus le choix. On doit acheter la marchandise pour mettre là-bas. Nous, voilà, on commence à aller au son des markets. En Angleterre, ils appellent ça, c'est le marché du dimanche. Là. Les gens vident leur grenier, vident le grenier. Mais ils appelaient ça en Angleterre, son des markets. Donc, on partait au son des markets, on partait à Wolverhampton, on partait à Dudley, on partait dans les petites villes qui sont autour de... Monsieur Denis Pacifique, tu vas commencer à me payer pour la pub, hein? Tu vas me payer. Tu as compris, non? Bonsoir, la reine Boba. Bonsoir, Laure. Laure, écoute seulement la vidéo que je suis en train de faire. Non? J'ai mis que comment découvrir ses dons et talents. Tu entres dans le direct, tu me dis que comment découvrir. Ouais, écoute un peu, non. Hein, ma reine. Bonsoir, Désirée. La reine Désirée. Donc, j'avais des dons en moi que je ne connaissais pas. Donc, nous voilà, en l'espace de 8 mois, on a rassemblé tout ce qu'il fallait. On a chargé un conteneur de 40 pieds. En chargeant, on ne connaissait pas comment on avait fait pour dédonner. Il me dit que chargeons seulement, pas à la fois, je vais dédonner sur le Cameroun. Donc, quand on a dédonné, il a décidé, quand on a envoyé le conteneur, il a décidé de venir au Cameroun. Et il a dit, je vais pas tester le premier, on va voir. Pendant ce temps, donc, quand il achetait les choses, je voyageais beaucoup avec lui, je partais, je voyais comment il discutait. Et il voit un peu de la télé, il achète, il voit ceci, il achète, voilà. Mon secrétaire, c'est Foyo. Donc, on a acheté, il a acheté tout le temps. Quand il est donc rentré au Cameroun,
Je suis restée là-bas. Il me dit, là, la première semaine, il me dit que ça marche. Dans maximum 4 mois, on doit choisir un autre. On soit la reine Mecca. Je lui dis que je fais comment, papa? Que tu m'as laissé ici, je ne conduis même pas. En passant, il a essayé de me m'apprendre à conduire même pendant 4 ans. Parce que jusqu'à... J'ai finalement appris à conduire seul. Et là, il me dit, non, je vais te guider. Garde le magasin, je garde le magasin. Va au centre de marque. Quand j'arrive au centre de marque, je l'appelle. Je crois qu'à la période, on je ne sais pas ce qu'on utilisait pour s'appeler le temps. Là, c'est des années 2010, 11. Je pars au marché, j'appelle. Il dit que ça, c'est bien. Il dit non, ne prends pas ça. Cherche le climatiseur. Je cherche. Non, ça, ne prends pas ça. Prends ça. Discute, fais comme ça. Après, je prends la marchandise, je pars et mets. Le jour, je suis bloqué. Il me dit que non, fais comme ça. J'ai chargé le premier conteneur en avril. Le deuxième, j'ai chargé en août. Deux conteneurs 40 pieds. J'ai mis 5 voitures dedans chacun. En chargeant le deuxième, j'étais devenue une experte. Mouf. Je te tapais les. Je cherche les entrepôts, on vend la marchandise neuve, les retours des magasins là. Ce qu'on a utilisé, après on a passé. Il y a eu des fautes dessus, on est venu donner. J'ai acheté des palettes, je dépose. J'ai acheté des. Mais ça tournait. On se sépare donc en août. Quand j'envoie le deuxième conteneur, je reste comme ça là, j'ai dit mince, me voici en bain. L'école que je suis venue faire n'est pas fini. Les papiers, je n'ai pas les papiers dans le pays ici. Le gars avec qui j'étais, même qui me motivait, je ne suis plus avec lui, je fais comment? Et quand on s'est séparé, il m'avait laissé la maison. Je gérais et je prenais. C'est pas que c'était, on avait commencé la maison ensemble, mais avec le temps, bonsoir Joanne. Avec le temps, c'est moi qui gérais, donc je peux dire que c'est moi qui investissais sur la maison maintenant. Je reste. Il dit non, je vais continuer à gérer la maison aussi. Ce qui fait que je suis devenue bailleresse, entre guillemets, landlady. Je louais, c'était une maison de 6 chambres, je louais 5 chambres aux gens. Et je devais faire des interviews, je devais faire la pub en ligne, je ne savais pas que je me formais comme ça dans le business. Et quand j'étais enceinte, il m'avait fait aller dans un salon de coiffure. Merci Marie-Lou. Bonsoir Marie-Lou. Bonsoir. Je ne sais pas pourquoi ton nom me plaît. Marie-Lou. Bonsoir Marie-Lou. La reine Marie-Lou. Franchement, moi, c'est là. Donc, j'ai d'abord les loyers que je prends chez les gens. Deuxièmement, quand j'étais enceinte, j'avais appris à coiffer un peu dans un salon. J'ai commencé à mettre, ok, je coiffe à la maison, j'ai commencé à coiffer un peu, coiffer. Et le truc avec tes talents, c'est que ton talent doit être utilisé pour être développé. Donc voilà, je coiffe. Au bout de 6 mois, les Jamaïcaines, elles venaient chez moi. Donc voilà, je récupérais les loyers, je faisais aussi la coiffure. À un moment, je partais à l'église. Déjà, je faisais qu'apprécier mes beignets. Tes mamans. Mais à l'aide, j'ai commencé à réfléchir. Mamie, j'ai commencé à m'accaquer ma plan. Mon cerveau s'est ouvert. Donc voilà, maintenant, j'avais à 2 revenus. Pause aux boissons. Je buvais de l'eau. On est comme si on est assis dans la même salle, ok? Les toilettes sont de l'autre côté, la cuisine est là-bas. Il y a le coquet à la cuisine. Donc, mais voilà. Bonsoir et les bienvenus. Hein. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page. Vous allez beaucoup entendre le mot choisi. Ça revient beaucoup. Donc, si vous m'écoutez plus de 10 minutes, ça veut dire que vous êtes forcément choisi. Donc, mais voilà, je me trouve à 2 revenus. On apprécie mes beignets. Je commence à me dire, je peux faire les beignets. Hein. Je commence à faire les beignets. Je vends les beignets seulement le dimanche d'abord. Après, je me rends compte que les Nigériens viennent me dire que on a un truc chez nous qu'on appelle chin-chin. Chin-chin. En fait, chin-chin sont les croquettes. Si tu faisais les chin-chin, je suis sûr que c'est ça. Ça irait bien avec ça. Je pars, je cherche la recette. Je fais la recette camerounaise. Mais notre recette camerounaise est un peu dure là. Je vais en ligne, j'ai essayé. En une semaine, j'ai testé les chin-chin là même 4, 5, 6 fois. J'ai trouvé la recette parfaite. Je vendais les chin-chin, les caramels, les beignets. Et de temps en temps, les gens me contactaient quand ils avaient besoin, qu'ils faisaient des cocktails comme ça. Là. Je faisais la viande, je faisais des petits trucs comme ça. Là.
le finger food, les petites nourritures sèches là. Donc, je ne pouvais pas rester un mois comme ça là, je ne manquais pas moins de 2000 par mois. Je ne pouvais pas manquer. J'étais encore jeune. Hein? Maintenant, j'ai commencé à faire ça, à faire. Après un jour, une amie m'invite en 2012. Elle m'a invité, elle m'a fait deux là, mais elle m'a aidé avec deux choses. Elle m'a introduit à Christ, Pasteur Christ d'abord, et puis à travers Pasteur Christ, j'ai entendu parler de la prospérité. Parce que l'église où je partais avant, c'était genre, oui, nous sommes pauvres, c'est quand on va mourir, qu'on va aller au ciel, qu'on va voir notre richesse. Bon, voilà. C'était pas trop ça. Mais bon, c'est tout ce que j'avais pour l'instant. Donc je partais, je faisais. Et ils m'ont fait, j'ai vendu, j'avais donné toutes mes perruques, j'avais des perruques de 400 pounds, j'ai donné tout ça aux gens. À 24 ans, 25 ans, hein. J'ai enlevé mes ongles, j'ai donné mes habits aux gens. Ben, je disais, oh, Christ veut que je sois pauvre. Donc, quand elle, en 2012, elle m'a amené, je suis allée d'abord à l'église. On a eu une des conférences de Pasteur Christ. Deuxième chose, on est allé à un séminaire de développement personnel. J'ai vu d'abord la coach là, maman. La femme était belle. Il dit que c'est l'argent qui t'a rendu belle ou bien c'est toi qui as rendu l'argent beau. Elle devait avoir au moins 45 ans. Hein. Mais vous connaissez le nom, mais Sugar Mommy là, Sugar Mommy. Vous connaissez non, les Sugar Mommy qui sont dans la place là. Hey, les femmes qui se font draguer par les jeunes de 25 ans là. Allez, pointez-vous. Donc c'était une Sugar Mommy. Mais elle avait une assurance. Et elle se place devant nous, elle parle. Et voilà, je suis la coach Sharon, elle s'appelait Sharon. Blanche, comme ça. Je regarde. Je dis, c'est ça que je veux faire. That's what I want to do. Je sais pas comment, mais je sais que c'est ça que je veux faire. Bien sûr, après ça, leur programme de coaching, c'était peut-être 5 000 $. J'avais pas d'argent pour payer. Mais c'était resté là. Surtout, c'était resté dans mon cœur. J'ai parlé de mes sugar mommy. Vous pensez que j'ai quel âge en fait? Si j'enlève mon chapeau. Je fais mes petites nattes là. C'est là que les gars de 18 ans commencent à me draguer. Mais il dit, pardon, excusez-moi. Quelques temps plus tard, un matin quand je priais, le Saint-Esprit me dit, tu sais que tu as le talent de coach, non? Je dis oui. Les gens viennent à toi, tu les conseilles, non? Tu conseilles les couples, non? Arrête toutes les petites choses que tu fais là. Je fais. Mais Seigneur, ça me donne l'argent. La période où j'ai décidé d'arrêter, je suis tombée sur Airbnb. 2016. Airbnb, hein? Quand j'ai découvert Airbnb, j'ai dit Alléluia! Alléluia. Moi c'est là. Moi j'ai fini avec Airbnb donc. J'avais 5 chambres. En moyenne, chacun me donnait 300 pounds le mois. Il fallait que je paye le bailleur et je paye les factures. Quand j'ai découvert Airbnb, parfois en une semaine, je me faisais 300 pounds sur une chambre. Excusez ma vie, s'il vous plaît. Locataire, goodbye. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà comment mes revenus encore. Donc, quand j'ai arrêté tout ça, j'ai arrêté coiffure, tout. La période où j'ai arrêté, je suis tombé sur Airbnb. Piouf! Tous les revenus que j'avais dans tout mon épapillement là, j'ai concentré sur Airbnb. Il y avait des semaines, je faisais 1000 pounds sur Airbnb. Comme ça. Like, you know. Après, je me suis dit, je dois multiplier ces maisons. Parce que ça me donne du temps. Et ça me donne plus d'argent. Moi, les choisir réfléchissent très vite. Je me suis retrouvée en l'espace de 3-4 ans. Après que je me sois séparée du père de ma fille, I was owning my life. Je possédais, je maîtrisais ma vie.
Quand les opportunités s'ouvraient à moi, je pouvais voir. Et quand elle pensait à un business, je pense à un business la nuit. Deux jours plus tard, soyez sûr que le business sera sur pied. Et dès que je lance, je peux voir comment rectifier. Pas vos affaires que vous prenez 2 ans pour faire le business plan. Oh, après, il faut qu'on attende que... Je suis vraiment sur ça. J'étais tout à l'heure dans le groupe privé WhatsApp. Je leur montrais. C'est aujourd'hui que je me suis rendu compte. Je vais arrêter dans 5 minutes d'ailleurs. Je leur montrais le principe de la dîme. Multiplier l'argent là. Il y a des moments que d'un mois à l'autre, mes revenus triplent. Je reste comme ça là la semaine-ci. Je suis peut-être dans 1000 euros. 2 semaines plus tard, je suis dans 3000 euros. Après 2 semaines plus tard, donc, le choisi doit pouvoir lire le marché. Tu fais comme ça là, Tu vois, quitte dans Mikael Night, non. Tu sillonnes. Parce que c'est dans toi. Et généralement, quand quelqu'un dit que comment j'ai fait pour découvrir mes talents, c'est parce que toi-même là, tu as envie de le fuir. Ton talent, ça pète, t'es là sur ton visage partout. Les gens t'appellent chaque jour, on dit que waouh, comment tu fais pour avoir ça? Viens me conseiller. Il y en a parmi vous, beaucoup d'entre vous êtes conseillers conjugaux. Créez votre page Facebook, non. Conseil de Jocelyne. Vous avez peur de quoi? Vous attendez qu'un ange vienne vous dire alléluia, ton don, c'est de conseiller les couples. Arrêtez. Moi, l'argent me connaît. Moi, l'argent, je sais qu'il entre, il sort, il entre, il sort, il entre, il sort. Ah, tu es là, l'argent. Oh, ok. Ok, bah, ta soeur est sortie, d'accord. Oh, tu es là. Ok. Et pour investir, pour gagner, tu dois investir. C'est qu'il a choisi que vous avez l'idée du business, vous attendez. C'est mon oncle qui doit me montrer, qui va me donner l'argent pour que je fasse. Même si c'était 50 000, comment ça fait ça maintenant? Un talent, c'est quelque chose que les gens te demandent, aide-moi avec. Quand tu finis, on dit merci. C'est tout. Quels sont vos talents? Écrivez-les ici maintenant. Écrivez-moi vos talents, s'il vous plaît. Eve, si tu as plus de 25 ans, c'est que tu connais déjà tes talents. Donc, toutes les histoires qu'elle racontait là, vous pensez que je suis partie chez le docteur, je me suis couché, il a mis le truc sur le stéthoscope sur mon ventre, il m'a dit que mes talents, c'est ça. Beaucoup d'entre vous, vos talents se découvrent même par accident. Quels sont vos talents? Écrivez alors. Pour découvrir mon talent de coach pour enfants, j'aimais trop m'occuper des enfants et des gens. Et quand je prenais l'enfant, j'étais tout convaincue que l'enfant s'y peut changer. Même l'enfant le plus têtu. Quand il arrivait à côté de moi, il changeait. Oui, S-Y-E-Eve, ne t'inquiète pas, ne commente même plus. Qu'elle te voit, elle peut aller ton esprit, Eve. Je peux aller ton esprit. Tu as compris? On vous connaît. Conseillère. Écris sur ton statut que je suis conseillère. À partir de demain. Magne. Ton talent doit être développé à travers l'apport. Est-ce que vous savez que quand vous parlez, il développe mon talent? Est-ce que vous savez?